petit cul. Bien. Non, je suis contente que vous ayez eu l'info quand même en amont, hein, parce que moi, parfois, je monte sur scène, je dis juste bonsoir, j'entends, mais les bourrés, sans déconner. Vraiment. Enchantée, mes petits culs suisses, très contente d'être là. Alors, moi, je suis tombée amoureuse d'un mec cet été. Bon, bah, si je vous en parle, vous doutez bien que ça s'est conclu par un échec. Et alors, figurez-vous qu'il y a une pilule magique pour cicatriser des peines de cœur. Ça s'appelle baiser le plus possible pour tenter d'oublier ce petit enculé. Voilà. Alors, du coup, j'ai installé une appli de rencontre. C'est fantastique, ce truc. Je connaissais pas. Non, j'ai fait le calcul. J'ai matché avec 137 mecs. 137 mecs qui te courent au cul pour l'ego, c'est pas dégueulasse. Hein. Tout ça, je précise, attention, sans une photo de mon visage. Non, les gens ont la dalle. J'ai juste mis une jambe et un yep. Et mes pieds sont dégueulasses. Vraiment. On dirait des racines de gingembre, c'est chaud. Non, non. Ils sont tout crochus, un hibou. Je peux fumer une clope à l'envers sur un arbre. Ah, vraiment, j'ai pas besoin de mousqueton pour l'acrobranche. Moi, j'achète mes chaussettes rayon cagoule. Il y a quand même un mec qui m'a dit « Pourquoi tu mets pas de photo de ton visage ?» J'ai dit « Non, mais ça, c'est pour garder une part de mystère. » Il me dit « Bah, envoie-moi un vocal, alors. » Un vocal ? Non, mais je vais plutôt t'envoyer un nude, hein, du coup, si ça te dérange pas. Je peux pas envoyer un vocal à quelqu'un qui a jamais vu ma tête. Il va se dire « Oh non, fais chier, encore un transsexuel alcoolique. » Moi, je dis ça, j'ai discuté avec un mec qui avait juste mis une photo de plafond. Ouais. Oui, parce que sa description était drôle. Bon, après avoir bien rigolé avec lui, j'ai dit « Balance ta photo, quand même. » Bon, bah, les moulures étaient pas mal, au final. Hein. Non, c'est vrai. Non, mais faut arrêter avec ça. Non, faut surtout qu'il soit drôle. Faut surtout qu'il soit drôle. Non. Faut surtout qu'il soit beau. Voilà. Et attention, on se met pas avec quelqu'un de beau pour être avec quelqu'un de beau. On se met avec quelqu'un de beau pour que le jour où il y a une embrouille, tu te dises « Ah, ça va, au moins il est beau, quoi, tu vois. » Heureusement qu'il y a ça qui lui sauve la gueule, quoi. Heureusement que quand je le regarde, je me dis « avec ses petits yeux de biche, là, son petit nez, là, j'ai quand même envie de lui bouffer le cul, quoi. Petit cul, quoi. » Non, j'ai reçu des dick pics magnifiques. Moi, je me plains jamais de recevoir une dick pic. En général, je dis merci beaucoup. Par contre, peux-tu m'envoyer la même à côté d'une canette de 33 centilitres de coca, s'il te plaît? Bah, c'est quand même chouette d'être prévenu en amont. Hein, moi, perso, j'ai jamais aimé fumer des vogues, donc ça m'arrange. Non. Je ne peux pas vous parler de toutes les bites que j'ai rencontrées, bien évidemment, on n'a pas le temps. Mais il y en a quelques-unes, non, ben non. Il y en a quelques-unes, attention, pépite. Zacharia 31, par exemple, lui, au bout de 4 lignes, il m'a envoyé une photo de lui en train de poser à poil à côté d'une bétonnière, avec en légende, je construis ma maison, d'ailleurs, on pourrait la bâtir ensemble. Je lui dis, alors si ça ne te dérange pas, je vais juste prendre la bite, je te laisse le pavillon. Hein. Je ne cherche pas un contrat dans le BTP, bâtir, sans déconner. Non, non, moi, mon projet, c'est de me faire démolir, hein. Bien à vous, cordialement. Pepito Mikolasson. Pepito Mikolasson, comme son pseudo l'indique, il était très mignon. Il me dit, non, mais avec toi, j'ai envie d'y aller par étapes. Je lui dis, ah non, 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 il n'y a pas d'étape du tout, mon gars, on n'est pas sur le Tour de France. Hein. N'attends pas les Pyrénées pour attaquer, hein. La ligne d'arrivée, c'est maintenant. Ah ouais. Il était mignon, il m'a apporté des chouquettes au réveil. C'est marrant les chouquettes parce que tout le monde aime ça mais t'en achètes que pour faire plaisir aux autres, c'est vrai? Tu t'auto-chouquettes jamais? Vous êtes déjà auto-chouquetté? Ben non, jamais. Franchement, s'il y a des psys dans la salle, penchez-vous sur le cas de l'auto-chouquetteur. L'auto-chouquetteur cache des trucs dans sa cave, hein, vraiment. Endurant du 92, lui, je lui avais dit, j'aime pas trop les petits, je préfère les grands. Bon, ben j'arrive, il était petit, et je le sentais préoccupé. Je lui dis, mais t'emmerdes pas avec ça. Enfin, je suis là, tu grandiras pas ce soir. Hein. Je veux dire, c'est vrai, te fais pas chier à commander 22 soupes, hein. Prends une bière et détends-toi. Bon, du coup, il s'est un peu trop détendu. Ouais, il a pété dans mon lit. J'ai un gros souci avec les pets. Vraiment, non, non, moi j'ai une devise, hein. Tu pètes dans mon lit, tu sors de ma vie. Non. Je suis désolée, n'oublions pas que le pet, c'est quand même le bâillement de ton caca. Enfin, je veux dire, c'est ta crotte qui baille, quoi. Ah, elle peut tarder à y aller, moi, dis donc. Faut pas faire ça. Alors, je pensais jamais vivre ça, mais les gars, c'est possible, je l'ai vécu. J'ai invité un mec à mon hôtel qui m'a dit en slip sur mon lit, non, par contre, j'ai des principes, je baisse pas le premier soir.
Ah, j'ai pété les plombs. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous en slip sur mon livre? Tu t'attendais à quoi? À un gommage? Tu t'es cru au hammam? Oui, c'est un peu violent. Non, on est sur une petite phrase de violeur. J'étais à ça de me manger un hashtag MeToo. Heureusement que le hashtag MeToo inversé n'existe pas encore. Ah, j'ai surtout fait les applis de rencontre à l'étranger. Ce qui est cool à l'étranger, c'est que tu parles pas la même langue. Tu sais, donc il n'y a pas de « Oh merde, il est teubé ». Tu vas baiser un mec con en arabe ou en italien, tu t'en fous, tu le sais pas qu'il est teubé. Tu vois, le mec te susurre à l'oreille. « A me mi piace tutto. Un buco è un buco. » Ah ben là, tu t'enflammes, hein, la dolce vita. « Si, intéressante, dis-moi plus, oui. » Alors que le mec te dit la même chose en français. « Ben moi, j'aime tout, un trou, c'est un trou. » Ben là, ça dégage direct. Ouais. Rentrez chez vous, monsieur. Ah, un autre truc cool de fréquenter des mecs du bled au bled, bah, c'est que t'évites les pièges à touristes, quoi. Tu fais vraiment des trucs de locaux. Ah bah là, t'es vraiment chez l'habitant, hein. Tu peux pas être plus chez l'habitant. J'irai dormir chez vous, il est bien mignon, mais on l'a jamais vu sucer un jordanien, hein, tu vois. Non, non, moi j'étais en immersion totale. Ah, j'ai sucé la moitié de la Cisjordanie. Non, non, j'étais pas là pour pomper le pétrole. Non, non. Non. Non, j'ai tenté d'adoucir le conflit israélo-palestinien à sa bande à Gaza en ce moment, je vous le garantis. Non. Après 10 jours là-bas, l'ONU m'a appelé. Intifada terminée, prix Nobel de la pipe. Je pars en Ukraine la semaine prochaine, les gars. Oui, oui. Ah, vous aurez du gaz et de l'électricité cet hiver, hein, vous inquiétez pas. Hein, y aura des guirlandes sur le sapin, hein, comptez sur moi. Non, c'est humanitaire, on est presque sur un acte pacifiste. Non, par contre, j'ai prévenu, hein, pas de pougnette à Poutine. Non, 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 non. No happy end for poupou. Non, je sais que c'est pas flagrant comme ça, mais il me reste quand même quelques principes. Et alors, très, très important, j'ai quand même beaucoup d'amis homo qui traînent énormément sur les sites de rencontres et qui m'ont dit qu'il y avait de plus en plus d'hétéros curieux. Alors là, les nanas, je crois qu'il est temps qu'on se serre les coudes et qu'on se remette toutes très, très vite à la pipe. Parce que sinon, on va tous les perdre. On l'aura dans le cul. Et aussi d'ailleurs. Merci beaucoup de m'avoir écouté, mes petits. Merci. Merci à vous.